Alors là, vraiment les potes, vous êtes pas prêts. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tester carrément un aspirateur de luxe. Un robot aspirateur que quand tu l'as chez toi, tu te dis ah ouais, c'est bon, genre j'ai plus besoin de faire le ménage chez moi quoi. Cette vidéo est bien sûr sponsorisée par Ecovac et je vais vous présenter directement le nouveau robot aspirateur qui vient de sortir. C'est directement le Debot X1 Turbo. Et sans plus tarder, ce que je propose, c'est directement de le déballer, de le découvrir, de le tester et de vous dire que ce que j'en pense, les petits potes. Bien sûr, juste avant, lâchez le petit like en bas de cette vidéo. Et c'est parti, les potes. Le colis en lui-même fait 20 kg. C'est pour vous dire que il y a quand même pas mal de trucs. Donc, l'aspirateur en lui-même est tout simplement ici. Et sa petite station est ici. Enfin, sa petite, elle est quand même assez grande. Hein. Voilà, les petits potes, les deux produits que je vais vous tester dans cette vidéo. Alors déjà, je tiens à vous dire qu'au niveau du prix, je vous dis aspirateur de luxe. Parce que déjà, en termes de design et compagnie, vous allez voir qu'il est vraiment, mais vraiment de très bonne qualité. Quand on ouvre ce petit colis, qu'est-ce qu'on a? On a directement sa petite prise. Sa petite prise, pourquoi? Ben pour alimenter cette petite station. Ici, deux petites brosses. Le truc, nous, on fait ça, hop, tu sais, comme si on réanimait quelqu'un, là. Attention, dégagez. Hop là. Ici, ces petits filaments de nettoyage. Mais moi, j'ai une question. Où est ce fameux robot? Hop, ça va sur le côté. Et le petit robot est juste ici. Allez, il est où, le petit bébé? Il est actuellement juste ici, hein. Je peux vous dire que là, il est, mais bien emballé. Et voilà. Mais what? Il est vraiment stylé, en fait. Alors moi, pour tout vous dire, j'avais juste reçu des photos en avant-première et tout ça par rapport à ce robot. Et je me suis dit déjà qu'il est pas mal. Mais là, quand je vois ce design, il donne envie. Il donne envie. Un truc stylé sur ce robot, c'est que regarde, hop, il a une plaque métallique. C'est-à-dire qu'en fait, le design, tu peux tout faire dessus. Hop, et dès que t'as fini, hop, le design revient. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt pas mal. Donc, quoi vous dire par rapport à cet aspirateur de luxe? Car déjà, cet aspirateur coûte 1299 €. C'est vraiment un robot aspirateur très haut de gamme. Je crois que même c'est l'un des meilleurs, tu vois ce que je veux dire? Mais par rapport à son prix, j'ai des petites surprises pour vous en fin de vidéo. Donc, je ne sais pas, je vais rester jusqu'à la fin de cette vidéo, les potes. Donc, quoi vous dire par rapport à ces bijoux? Déjà, parlons de cet aspirateur robot qui possède déjà deux brosses latérales qui permettent en fait de nettoyer toutes les poussières, mais aussi deux autres brosses latérales qui permettent en fait de nettoyer carrément. Là, en fait, on est sur un robot qui va aspirer à l'avant et nettoyer à l'arrière. Est-ce que c'est bon pour vous? En gros, attendez, je vais mettre directement les petits supports tout de suite maintenant. Hop, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes et le quatrième. Là, actuellement, les potes, on a un robot qui va nous remplacer le ménage. Il existe aussi le tampon en tissu qui peut remplacer les doubles brosses pour le nettoyage. Vous n'aurez plus à passer l'aspirateur ni à nettoyer votre sol. Car il va tout simplement le faire pour vous, c'est pas génial? Cet aspirateur Debot X1 Turbo a une puissance d'aspiration de 5000 PA, ce qui permet en quelque sorte d'avoir un nettoyage en profondeur. C'est-à-dire tellement précis qu'en fait, dès que tu m'as invité des gens, ils vont se dire « Waouh, t'as fait bien le ménage et tout !» Et vous, vous allez dire « C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le robot !» Ce robot aspirateur est doté d'une intelligence artificielle qui calcule et optimise tout, voilà, c'est simplement le mot, il optimise tout. Par exemple, au niveau des obstacles, si jamais, par exemple, vous avez activé votre robot et qu'il est en train de faire le ménage, mais qu'il n'avait pas détecté les chaussures qui étaient auparavant. Parce que oui, en fait, ce robot aspirateur possède une application sur son téléphone où, en fait, tu peux scanner toute ta maison d'une précision ultime. Et bien, par exemple, si votre enfant a laissé des chaussures, et bien, il va le voir en temps réel et il va directement passer à côté. Il va pas toucher les chaussures parce qu'en fait, ça sert à rien de nettoyer les chaussures. Les chaussures, ça se nettoie où? Dans le lave-linge. Bref, moi je sais ce que vous voulez. Là actuellement vous voyez des trucs, vous me dites mais à quoi ça sert, comment ça sert et tout ça. Je vais tout vous expliquer. D'abord, ce que je vous propose, c'est directement de télécharger l'application et de vous montrer un truc vraiment, vraiment pas mal. C'est-à-dire que comme vous le voyez actuellement grâce à l'application, vous pouvez directement piloter le robot aspirateur, les potes. Si ça c'est pas beau, là je me retourne directement, regardez. Hop là! Et là, si je veux me retourner avec une caméra qui est juste là, hop là! Si ça, c'est pas beau, les potes! En gros, ce n'est pas seulement un robot aspirateur, c'est directement une caméra de surveillance qui est directement chez toi. Parce que là, je peux le contrôler à côté, mais je peux le contrôler à distance. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis à Marseille et que je vais en déplacement à Paris, je peux le contrôler de Paris. C'est ça qui est plutôt bien. Et ça, c'est super cool, les potes! Aussi, bien sûr, ce que tu peux voir à distance, c'est le nombre de batteries qu'il a. Tu peux directement engager un nettoyage à distance. Bref, tu peux tout faire grâce à l'application, les potes. Bien sûr, grâce à l'application, ce robot aspirateur possède la technologie TrueMapping 2.0 qui permet en fait de scanner toute ta maison précisément. Aussi, un point qui est ultra bien, après ça c'est plus gadget qu'autre chose bien sûr, mais si je dis par exemple, ok Ico, je quitte la station, je
Et bien directement, ça commence le boulot. Franchement, c'est plutôt pratique. Si jamais, hop, juste avant de partir, tu fais OK, Ico, hop, tu vas, hop, ça part, tu vois. Tu peux aussi lui demander avec ta voix de nettoyer une pièce précise, demander un nettoyage et un vidage automatique, régler la puissance d'aspiration. Bref, tu peux tout lui demander grâce à l'assistance Ico Voice Control. Bref, c'est un peu tout à propos de ce robot aspirateur. Maintenant, parlons de sa station de charge, qui est une station de charge, mais pas que, parce que actuellement, si on ouvre le couvercle, là, on a deux réservoirs, deux gros réservoirs, les potes. Un réservoir où on va mettre directement de l'eau, je crois que ça, 4000 ml de réservoir, et un autre directement qui va stocker la poussière. En fait, en gros, tous les détritus qui va être aspiré et nettoyé par le robot va arriver là-dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Bref, ce que je vous propose maintenant, c'est directement de le tester directement en action. Parce que c'est bien beau de vous dire, ouais, il fait ci, il fait ça, mais moi, ce que je vous propose, c'est directement de vous montrer en temps réel, les potes. Allez, à tout de suite, on descend et je vais vous montrer directement de quoi il est capable. Bon, les petits potes, regardez ce que j'ai fait. Là, actuellement, j'ai préparé un petit espace où, en fait, je vais pouvoir vous montrer directement le nettoyage de poussière ainsi que le nettoyage de liquide. Par exemple, on va voir si ça fait les deux, parce qu'en principe... il doit faire les deux. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vais démarrer tout de suite et on va voir est-ce que ça nettoie bien. Attention! Attention les potes, est-ce que ça va bien nettoyer? Regardez ça les potes, regardez-moi ça les potes, comment ça nettoie? Il va passer tranquillement, regardez, oh là 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 là, il nettoie tranquille. Hop là, il passe par derrière, hop là! Oh là 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 les gars, oh oh! Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? La tâche est totalement nettoyée. Là actuellement c'est mouillé parce qu'en fait je suis sur du bois, du coup c'est un peu, ça fait un peu mouillé, mais là je vous assure que c'est presque sec, comme tu peux le voir, c'est presque sec. Et aussi au niveau du sel, parce que j'avais mis du sel, il n'y a plus de sel. Donc il a tout nettoyé les potes. Et regardez ce qu'il va faire, j'ai juste appuyé sur ce bouton. Et là, il va se nettoyer automatiquement. Actuellement, regardez ce qui se passe. En fait, il y a de l'eau qui va directement ici et qui va nettoyer les petites brosses qui sont ici. Il peut aussi se remplir automatiquement en eau et aussi sécher à l'air froid. Comme ça, en fait, lors du prochain nettoyage, tout sera nickel. Franchement, cet aspirateur, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop bien. En plus, il possède une autonomie de 140 minutes, un décibel de 68, ce qui est vraiment, vraiment silencieux, et une garantie de 3 ans, les potes. Et tout ça pour 1299 €. Enfin, pas tout à fait, car je vais vous expliquer un petit truc. Actuellement, là où je sors cette vidéo, on est le 25 mars. Et en fait, du 25 au 31 mars, il y a 200 € de réduction sur ce robot. Et si jamais vous l'achetez via Amazon les 3 premiers jours du lancement, vous avez une carte cadeau de 50 € Amazon. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en description, foncez voir ce robot. Certes, ça fait un certain prix, mais la qualité y est les potes. Vous me direz merci de plus nettoyer votre maison. Enfin bref, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Encore merci à Ecovac d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap, allez bye tout le monde.